voilà la remise, les gars. Ouais, les gars, on est là. On est là. C'est marqué. C'est marqué. C'est marqué ici, là. Là, c'est marqué champion. Yes. On l'a fait. On l'a fait. On n'a pas fait le check. C'est fait exprès en fait. Ouais. Regarde, il t'a dit quoi tout à l'heure? Hier, il t'a dit quoi? On avait gagné et là on gagne. Et on est champion de France. U19. Tout est bon, on l'a fait. Tout est bon. Attends, attends, c'est écrit quoi là? Hein? C'est écrit vainqueur. C'est quoi? Vainqueur 2017-2018. Hein? On l'a pas volé. Ça, ça a totalement c'est le travail qui paye. Hein? Hein? C'est le fruit de l'équipe. Attends, mais... voilà. Bon, merci. Attends, merci. Hein. Oh, allez, merci. Nous. Okay. Oh, je suis trop heureux. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots, je te jure. Un rêve devenu réalité. On le pensait, maintenant c'est fait. C'est bon. Ouais, c'est magnifique. On est fiers de ce qu'on a fait là. Je pense qu'on a un peu du mal à réaliser, mais. Là. Ah, je suis fatigué. Parce qu'on a beaucoup donné, on a fait les efforts qu'il fallait. Et là, bah. Là, on est heureux tout simplement. Franchement, je suis très très content de mon équipe. On a tout donné, on n'a pas lâché du début à la fin. Première mi-temps, on a fait une première mi-temps très très costaude. Deuxième mi-temps, bon, ils perdaient, donc ils avaient à cœur de revenir au score aussi. Donc deuxième mi-temps, c'était un peu plus foufou. Et voilà, on a tenu, on a fait ce qu'il fallait et voilà, on est champion. Hein. On est champion et tout le monde est content. Regarde le vestiaire là, regarde. Tout le monde est content et voilà, on a bien fêté ça. Il y avait du monde. Merci aux supporters qui sont fait le placement. On est content. Ouais, t'as vu le clapping ou pas? Il était bien. On l'a fait quoi pour le club. Il y avait beaucoup de spectateurs qui étaient venus en déplacement et ça fait plaisir. Et on leur a rendu ça, donc voilà, ça fait très plaisir. Allez, c'est qui là? Le mien. Allez, les enfants, allez, oh! Bien joué, Carlito. Est-ce qu'il y a eu un cri de Carlos? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Et puis, ça fait plaisir pour l'ensemble du club, c'est ouais. Ça surtout l'important. Une réussite générale. Ce que vous venez de faire, c'est exceptionnel, d'accord. Tout l'ensemble du club, d'une ville, d'une région, vous avez fait rêver des gens. Les rêves se réalisent. Vous avez réalisé votre rêve, c'est extraordinaire. Maintenant, ça s'arrête pas là.
peut-être le plus dur comment, je sais pas, mais bon, c'est bien. Hein, pareil. Pour toi, le plus dur comment c'est. Allez, le plus dur. Deux, et trois. On a perdu Carlos. Il y a des sèches. Eh, c'est un truc de mal. Tu m'as rien vu, c'est pas arrivé, attendez-nous. La génération, c'est 99 et 2000. Champion, champion. Là, on est champion, on est tous contents là. Là, grosse dédicace à toute ma famille qui sont venus me voir, pardon. Tous mes potes, toute la Morlande, tout Avalon, on est ensemble, tout le monde. Oh, je pense qu'on a fait un très très bon parcours qui se termine très très bien. Et voilà, on finit sur ça. On est très contents là, on va fêter ça. Ouais, voilà, c'est une aventure extraordinaire. Au début, je pense qu'on se doutait pas qu'on allait finir au Stade de France vainqueur. On a gravé les échelons là, vraiment, on a battu les équipes les unes après les autres. Au bout d'un moment, je pense que le déclic ça a été après Rennes, on s'est dit en fait, équipements, les gars, je pense que là il y a moyen de faire quelque chose. Puis après, fur et à mesure des étapes, on se rapprochait de cette finale. Puis nous voilà arrivés à la finale et on a réussi à gagner ce match. Et puis voilà, on a gagné, on est champion et c'est cool. on l'a remporté, franchement, on est tous contents. Hein. Mais franchement, je tiens à remercier aussi toutes les familles qui sont venues nous supporter, tout ça, tous les supporters. Merci, c'est gentil. Plus non, ça c'est du football, ça va, ça c'est magnifique à vivre. Mais le plus important, c'est la famille. N'oubliez jamais ça, c'est la famille le plus important. Les amis, tout ça, je remercie tout le monde, mais surtout ma famille. Merci. Je suis fier de cette équipe et puis fier de ce club, ce centre de formation. Et ravi pour tous les gens qui nous supportent, qui nous aident à faire évoluer tous ces jeunes vers le haut niveau, vers leur haut niveau individuel. Non, franchement, on vit un moment exceptionnel. Et j'ai une pensée pour l'ensemble du club. C'est un bonheur, un plaisir. C'est ce qu'ont fait les garçons. Ils ont été au bout d'eux-mêmes et ils ont été la chercher. On ne peut que les féliciter. Après, j'ai une pensée pour tous ceux qui ont participé à la formation troyenne et depuis de longues années. Je pense à mon prédécesseur qui m'a passé le flambeau, à Claude Robin, qui a passé de nombreuses années à la tête du centre de formation. Je pense aussi à ses prédécesseurs, Didier Christophe, Christian Camiti et puis tous les autres encore derrière. Tous les directeurs de centre qui ont pu passer à la tête de cette formation et de dynamiser la formation troyenne, parce que c'était une volonté de tout le monde, des politiques et également des présidents à l'époque et qui ont été portés depuis tellement d'années. Donc vraiment, voilà, une pensée à tous ces gens-là et à tous les éducateurs, formateurs, gens qui ont participé de près, de loin, je pense au staff administratif, au staff technique, au staff médical.
vraiment tous les gens qui ont accompagné de près ou loin tous les jeunes en formation. La formation, c'est un projet sur le long terme. Et le résultat qu'on ramène à trois et qu'on va partager à trois, c'est vraiment de penser à tout le monde et d'oublier personne. Très heureux pour le club, bien évidemment. Très heureux pour les gamins, parce que c'est eux qui le méritent. Très heureux pour tout l'encadrement, les coachs, etc. C'est un travail extraordinaire. C'est la première, comme disait Philippe, que j'aime bien chambrer. Il en est arrivé, bah, nous on l'a fait, on l'a tous fait. Et puis je suis vraiment heureux parce que bah, c'est d'abord le symbole du travail, de ce qu'on fait. Et c'est bien d'avoir sur la vitrine une petite ligne comme ça sur Coupe de Gambardella. Pour un club, c'est la plus belle des récompenses, c'est le plus beau des trophées qu'on pouvait gagner. Merci à eux, c'est eux qui ont été le chercher en tous les cas. Je vais retenir de cette victoire l'humilité de nos jeunes qui, avec cette coupe dans ce vestiaire, après avoir gagné cette Coupe de France, c'est un moment historique, c'est un moment unique, c'est un moment qui sera gravé à tout jamais dans leur mémoire. La manière dont ils fêtent ça, ça prouve toutes les valeurs qu'on défend au niveau du club, l'humilité, le respect, le travail. Et voilà, cette euphorie qui est mesurée, mais qui est néanmoins très importante. Cette euphorie partagée aussi avec l'ensemble des jeunes du centre de formation qui étaient aujourd'hui dans les tribunes, des plus jeunes jusqu'aux anciens, jusqu'aux bénévoles, jusqu'aux dirigeants. Voilà, c'est la victoire d'un groupe évidemment, mais surtout la victoire d'un club. Et tout le monde attendait ça à l'Estac, tout le monde attendait ça à Troyes, tout le monde attendait ça dans l'Aube. Donc on est très très heureux pour l'Estac et puis évidemment pour notre ville. Un parcours exceptionnel couronné par un événement exceptionnel, la victoire évidemment. Cette coupe Gambardella, ça faisait de nombreuses années qu'on courait après. Personnellement, ça fait 18 ans que je suis au club et ça fait 18 ans qu'on en parle. Et aujourd'hui, ça a été réalisé d'abord avec un formidable groupe et puis un formidable staff, je crois, qui a fait un excellent travail tout au long de la saison. Mais je crois aussi que cette victoire de la Gambardella, ça couronne finalement quelque part tout le travail qui a été fait depuis de nombreuses années au sein du centre de formation. Le club a fait le choix de la formation, s'y est tenu depuis de nombreuses années, et c'est finalement la récompense, la cerise sur le gâteau. Surtout une récompense pour Carlos Lopez qui a drivé ce groupe depuis déjà quelques années. Et ça vient aussi surtout à l'idée du travail de Fares Bouzid au sein de la formation, et à travers ça, bien sûr, les éducateurs du club. Et forcément, nous, j'espère qu'on va bénéficier de ce travail. Voilà.